aujourd'hui le temps est archi pourri, mais ça fait rien, c'est un bon temps pour aller pêcher le carnassier. Je suis toujours en compagnie de Pierre pour la deuxième partie de cette session carnassier. Et on va essayer de faire de notre mieux pour attraper les perches et ce qu'il faut, quoi, brochet. Un train qui passe. Avec toujours le petit chat, le petit twist blanc. Monté de la tête plombée et toujours avec du fluorocarbone. En dessus, donc on verra bien. C'est pas chaud, il fait pas froid, mais bon. C'est con que c'est comme ça, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon bah là j'ai changé de tactique, j'ai mis un plus gros shad, une plus grosse virgule en fait, toujours piqué en bordure, on peut bien le voir. Là il est vraiment piqué en bordure le petit. Il est rigolo celui-là, hein, petit nerveux. Et on peut voir quand il se calmera, voilà je le serre pas trop fort. Quand il va se calmer, vous voyez ça se décroche tout seul. Voilà, un petit sifflet de la Meurthe, encore pour la deuxième partie. Et le parcours n'est pas fini. On a parcouru quoi, peut-être 50 mètres déjà depuis notre arrivée. Donc voilà, et on peut voir aucune blessure apparente. Voilà. Je vais le relâcher tranquillement. Faut faire attention de ne pas tomber, hein, ça glisse. Voilà, il est parti. J'ai plus qu'à remonter maintenant. Le plus dur, c'est ça. Et il pleut toujours. Donc, voilà, première prise, premier brochet. Impeccable. On va tout à l'heure pour un nouveau résultat. Et on a le deuxième. Un deuxième petit brochet. Et on peut voir, je vais poser la canne. Hop. On peut voir que lui aussi, il est pris en bordure. Donc, regardez. Tout seul. Tout seul, ça a été. Voilà, le deuxième petit coco. Je vais le présenter dans mes gros doigts. Sans le faire tomber. Voilà. Maître Exo. Allez, grandis, mon pépère. Et ça fait le deuxième. Hein. Donc, je vais le relâcher tranquille. Ouais, dans le sens là. Ouais. Je sais pas si on va le voir dans l'eau. Il est parti. Et de deux. La pluie continue de tomber. Mais on reste blindé. Un pied. Enfin, Pierre dit oui. Ouais, à tout à l'heure. Peut-être 3. Jamais 203. Peut-être un peu plus gros. Allez, bon, bah, voilà Pierre qui démêle. Quand il va pas dans l'eau, bah, il démêle. Il aime bien ça. Oh. Ouais. Ouais. Oh. Bon, un peu j'allais faire un trou. Donc, là une belle perche que je viens de faire un instant. Toujours avec le même leurre. Super. Voilà. Bon, avec la perche c'est différent, hein. Là les dents qui râpent un peu donc le leurre il s'en va. Voilà, bonne perche que je vais garder pour madame. Voilà, si j'en fais plusieurs, si j'en fais plusieurs ce sera bien. Allez. Bon, vous connaissez tout ce petit coin, tranquille, un petit coin de la Meurthe. Et bah, là, il n'y a plus de canapé. Comme quoi que ma vidéo a fait son effet. Hein. Ils ont dû la ramasser. Elle n'est pas partie avec les eaux parce qu'il n'y a pas eu de crue depuis. Donc, au contraire, elle est encore bien descendue, la flotte. Donc, impeccable. Merci la PPMA pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Voilà. Allez bye, je continue mon petit chemin pour attraper des carnassiers.